nous venons, Seigneur, auprès de ta croix, avec nos cœurs, notre Père bien-aimé, pour recevoir de toi, ô Seigneur, tout ce que tu as voulu pour nous. Puisses-tu bénir ce matin, Seigneur, pour tout celui qui a mis son pied en ces lieux, Père bien-aimé, pour que nous ne rentrons pas quand nous sommes venus, Seigneur, qu'en ressortant, Père bien-aimé, alors que tu as parlé à nos cœurs, nous puissions dire comme si les disciples sur les chemins de tous, nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient. Dans sa maison. Seigneur Dieu, voilà ce moment d'adoration. Nous voulons vraiment, nous, Père bien-aimé, préparer nos cœurs, qu'enfin, quand tu travailleras, ta parole puisse prendre place dans notre cœur. Amen. Nous t'en bénissons ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter Courons-nous à la rivière. I'm not afraid to die.
Jesus, Jesus,
Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. 14. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il fleura la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Dieu le Seigneur. Tendre Père Céleste, merci encore une fois pour le prophète que tu nous as envoyé au Père. Si tu n'avais pas envoyé un prophète Seigneur, comment aurions-nous
comprend ces histoires, Seigneur. Car l'Apocalypse, c'est un livre de symboles, mais le vertu des sceaux, oh Dieu, nous a montré ce qui a été dans ta pensée. Voilà pourquoi, Père, nous voulons approcher ceci, Seigneur, avec un esprit de soumission, Seigneur. Car parce qu'en tant que des humains, nous ne connaissons rien, Seigneur, mais nous nous attendons à ce que toi, tu puisses nous révéler ces choses, Père. Est-ce que tout soit pour ta gloire, béni la lecture de ta parole, béni tes enfants ici présents, béni tout celui qui fait son chemin, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aussi prendre en exécution Luc, chapitre 21, verset 24. La Bible dit ceci. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse et tue sa parole. Alors, aujourd'hui, je vais pouvoir clôturer la 70e semaine de l'année. Je vais reprendre mon schéma 38. Donc, les 70 semaines ont été divisées en trois parties. Donc, c'est les anges de l'Église. C'était ici, lorsque Dieu parla à Daniel, on lui donna 70 semaines. Mais cela a commencé depuis le 14 du mois de décembre, c'est-à-dire du mois d'avril, en 445 avant Jésus-Christ. Okay? C'était ici. Ça a commencé ici. Donc le 14 du mois de décembre, ok? 445 before Christ. Ok? Avant Christ. Et c'est de là qu'ils ont compté les 70 semaines. Et ici, on avait dit qu'il y avait 7 semaines qui servaient pour la construction du temple. Okay? Et une semaine faisait 7 ans. Donc ça nous fait 7 fois 7 qui nous donne 49. Okay? Et ici, on avait 62 semaines fois 7. Ça nous aurait donné 483 ans. Okay. Alors, c'était 62 semaines jusqu'au prince Messie. Quand le prince Messie est venu, il a accompli les 3 ans et demi, okay, et il est retiré. Or, à partir d'ici là, on avait déjà 69 semaines. C'était déjà 69 semaines. Donc, quand Daniel. Quand l'ange est venu parler à Daniel, c'est déjà 68. Après quelques temps, un an a été écoulé, il est resté que la 70e semaine de Daniel. Mais la chose la plus mystérieuse, c'était la 70e semaine de Daniel. C'est ça que Daniel ne comprenait pas. Alors quand il arriva, chapitre 12 du livre de Daniel, on lui a dit de serrer ces choses-là jusqu'au temps de la fin. Nous avons vu déjà les 6 buts. Le 6e but, c'était. C'est oindre les saints des saints. Amen. Alors, ici, là, il ne restait que la 70e semaine. Or, quand le Messie est venu, comme on l'avait déjà dit, le Messie a consommé les 3 ans et demi. Après, c'était les anges d'église. Donc, nous, quand nous sommes venus, il ne restait qu'une demi-semaine. 3 ans et demi, c'est la chose qui restait. Quand les anges d'église ont commencé, donc 69 ans et demi, ok, était déjà écoulé, c'était déjà fini. Alors, quand on a déclenché les âges d'église, le frère a dit que Dieu n'a jamais compté le temps pour les nations. Le temps a été compté que pour les juifs.
C'est pourquoi j'avais dit que si vous voulez connaître quelle heure à quelle nous sommes en train de vivre, ne regardez pas en nation. Ne vous dites pas que voilà, cette promesse a été faite pour les nations, voilà, il fallait que nous puissions partir dans l'enlèvement, voilà, il fallait que ce soit arrivé. Non, il faut regarder les Juifs. Parce que c'est les Juifs, c'est Israël qui est l'horloge de Dieu. Alors, le frère Manon m'a dit que le jour qu'il avait vu les Israéliens rentrer chez eux, il dit qu'il avait l'impression d'avoir une nouvelle conversion. Pourquoi? Parce qu'en rentrant là-bas, on les avait demandé, pourquoi allez-vous là-bas? Pour mourir? Ils ont dit non, nous allons là-bas pour rencontrer le Messie. Alors le frère avait compris que le temps était arrivé. Voilà le titre du film, là c'était minuit moins trois. Amen. Amen. Alors, quand les messieurs rituels, nous sommes ici dans les âges d'église. Comme Luc l'a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. On a parlé du temps des nations. Et au temps de la fête, on a mis Jésus-Christ à la porte. Jésus-Christ a été chassé de son église. Nous avons vu que quand les papes ont visité Israël, c'était l'éclipse. Amen. Le soleil était tout noir. Donc la septième phase de la lune était invisible. Donc c'est-à-dire que Christ était sorti. Nous avons la certitude que les anges de l'église ont déjà pris fin. Donc Christ les a sortis. Alors quand ils sortent comme ça, c'était pour continuer la dernière moitié, n'est-ce pas, de la 70e semaine. Et c'est ce qu'on avait dit que ça, c'est la chose qui a échappé. Or, dans ces 70e semaine, dans la moitié de la 70e semaine dernière, nous avons les 5e, n'est-ce pas, et les 6e saut. Parce que le 7e saut, c'est la descente de la nuée. Et du premier, n'est-ce pas, du premier au 3e saut, c'est les anges de l'église. Et le 4e saut, c'est l'enlèvement. Ok. Donc l'épouse est enlevée. L'épouse n'est pas enlevée dans les 3e degré. L'épouse est enlevée au dernier âge de l'église. Toute l'épouse, depuis l'âge des fesses jusqu'à l'âge de la Odyssée. Tout le monde est enlevé. Ok. Alors, quand l'épouse est enlevée, pourquoi elle est enlevée? C'est pour aller voir l'ouverture des sauts. Amen. Parce que l'ouverture des cieux ne se passe pas sur la terre, ne se passe au ciel. Amen. Mais cela dépend de la définition du ciel que vous avez. Amen. Le frère nous a dit que le ciel et l'enfer sont sur la terre. Amen. Amen. Quand il est parti au shopping center, il voit les dames là avec des maquillages. Il dit que ce sont les mêmes dames que j'ai vues en enfer. Amen. Amen. Et il les a vues encore sur la terre. Donc le ciel, ce n'est pas ce que nous avons dans nos pensées. Le ciel, ce n'est pas de bas en haut. Ce n'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est une dimension. Alors, quand l'épouse est allée au ciel, c'est-à-dire dans une dimension, elle voit l'ouverture des sceaux. Vous avez dit que les âges, les sceaux ne sont jamais ouverts dans les âges de l'Église. Le frère Manon m'a dit que le livre est ouvert en dehors des âges de l'Église, en dehors des âges de dénomination. Lorsque les âges de l'Église prennent fin, c'est en ce moment-là que le livre est ouvert. Or, ce livre-là ne devait pas être ouvert aussi dans les 3e demi. Ça devait être ouvert après les 3e demi. Amen. La chose qui m'avait dit que c'est lorsque j'ai vu que la nuée, la descente de la nuée, l'ouverture de cette sceau, c'était le retour du livre de la rédemption. Parce que j'ai toutes les citations pour prouver que la nuée, c'est le livre de la rédemption. Or, ce livre de la rédemption a condamné tout le monde, même les Juifs. Amen. Or, ici dans les 3e demi, nous avons deux témoins, ok? Nous avons l'enlèvement. Nous avons l'enlèvement, ok? Et nous avons aussi la tribulation. Tout se passe dans les 3 ans et demi, ok? Nous avons l'épouse qui est partie à la fin des noces. Et sur la terre, nous avons la Vierge folle qui est persécutée. Et en même temps, nous avons la peine des Juifs. Or, pour les deux témoins, le frère Baron nous a déjà dit que jamais deux témoins majeurs à la fois. Ça n'existe pas. Amen. Même au temps de Jean-Baptiste, il avait envoyé Jean-Baptiste seul. Jean-Baptiste devait d'abord finir et Jésus entrer en scène après. Amen. Il ne pouvait pas demeurer au même moment. Parce qu'il n'y aura personne qui reconnaîtra l'autorité de l'autre. Alors, ici là, nous avons deux témoins, nous avons Élie et Moïse, qui vont ouvrir, qui vont appeler les Juifs. Et cela doit se passer dans le 5e et dans le 6e saut. Pourquoi? Le 5e saut,
c'est les âmes sur terre. Et le sixième sceau, c'est la tribulation. Et tout ceci passe dans le morceau du 3 ans et demi. Alors, lorsque nous avons Élie et Moïse qui doivent venir, ok, leurs esprits, au même moment, cela doit être fusionné dans une même personne. Amen. Un prophète comme Moïse. Je vais prendre dans les livres, dans les sixième saut. Non, je vais d'abord prendre la 70e semaine dernière. Non, c'est que le frère m'a dit. Le frère m'a dit ceci. 70e semaine de Daniel, au paragraphe 172, il dit ceci. Maintenant, remarquez, c'est là que nous l'avons vu revenir dans le temple du millénium. Parce que ça, c'était le 6e 8. Amen. Là, à la fin de l'âge des Juifs. Donc, quand il revient dans son temple du millénium, c'est à la fin de l'âge des Juifs. Or, l'âge des Juifs, c'est les 3 ans et demi ici. Parce qu'on ne parle pas de ces 3 ans et demi, parce que c'est déjà passé. Amen. Or, quand il revient à le sixième but de la visitation de Gabriel et Daniel, pour entrer dans son église, c'est après l'âge des Juifs. Comme on a dit dans Daniel 12, qu'après un temps, des temps et la moitié des temps. Amen. Et c'est là où il descend maintenant pour demeurer dans les temps. C'est-à-dire que la nuée qui descend. Alors il dit que, loin, le voilà qui arrive monter sur un cheval blanc. Or, quand il arrive monter sur un cheval blanc, nous avons là l'épouse et l'époux qui retournent. Amen. Le cheval blanc, le cheval c'est une puissance. Et c'est la parole. Ce n'est pas un cheval qui vient là comme ça qui dit guide. Amen. Après dit, eux les suivaient sur les chevaux blancs. Cheval, il explique même le frère Branham, n'est-ce pas? Le frère Branham même explique. Il dit cheval, une puissance, vêtu de blanc, sans ou d'un vêtement tel de sang, sur lui était écrit la parole de Dieu. Il venait comme puissant vainqueur, oui monsieur, pour établir le millénium. Il entrait dans le temple, gloire. C'est là qu'il vient rencontrer les 144 000. Là, après cette 70e semaine, vous voyez, c'est là qu'il vient rencontrer les 144 000 après la 70e semaine. Vous voyez, au cas il est là, dans le premier chapitre 19, avec un cheval blanc, avec les autres qui sont en train de les suivre, c'est après les 3 ans et demi. Nous allons voir ce que le frère Benoît dit. Maintenant, j'avais dit que les sixième saut devait être ouvert. Le sixième saut, c'est dans les 3 ans et demi. Et le sixième saut devait être ouvert par les 2 témoins. Ok? Nous sommes dans le sixième saut, le frère Benoît dit ceci. Maintenant, voici ces 2 prophètes qui se tiennent là, avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils éprouvent la terre. Et c'est par là qu'on peut voir précisément qu'il le fait. Ce sont Moïse et Élie. Puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Cela prouve que ce ne sont pas 2 personnes qui arrivent. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Les frères ont dit, voilà leur ministère représenté de nouveau. Tout ce qu'on avait besoin, ce n'était pas le corps de Moïse. C'était le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Amen. Qui devait être représenté dans ce temps pour ouvrir le sixième saut. Et le sixième saut n'est pas ouvert dans les âges de l'église. Le sixième saut, c'est dans les 3 ans et demi. Amen. Le septième saut, ce n'est que l'enveloppe de tous les sauts. C'est ça qu'on appelle. Qui est dehors? Amen. Donc c'est ça que je disais que les femmes ont dit ceci. Ce sont ces 2 hommes. Oh là là. Les voyez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Il dit, vous voyez ce qu'est le sixième saut? Ce sont ces prophètes. Maintenant, remarquez. Qu'est-ce que ça ne vous a choqué pas? Amen. Qu'est-ce que ça ne vous a choqué pas? Il dit, mais observez qui a ouvert ce saut? Des prophètes. Voyez-vous? Il dit, Amen, voilà. Amen. Quand le frère Branham faisait,
C'est-à-dire que ça passait par-dessus la tête. Il continue. Il dit, oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère, dans les hauteurs. La tête au niveau des nuages. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Voilà votre sixième sceau qui s'ouvre. Maintenant, nous recevons en arrière, nous revenons en arrière. Ici, alors que Jésus avait annoncé que cela arriverait très loin dans l'Ancien Testament. Là-bas, dans Ézéchiel et les prophètes d'autrefois, ils avaient annoncé que cela arriverait. Voilà pourquoi le frère Marie disait toujours qu'il devait d'abord enseigner les 70 semaines de Daniel avant d'arriver à l'ouverture des sceaux. Et maintenant, avant ceci, le frère Branham m'avait dit que, rappelez-vous de ce que je vous avais dit, qu'on aurait besoin de 70 semaines de Daniel quand on parlera de ceci. Alors, quand on arrive dans le sixième sceau, nous voyons que ce sont les deux témoins qui ouvrent les sceaux. Amen. Et il devait ouvrir, il devait être là, œuvré pendant 1260 jours. Si vous prenez dans le calendrier prophétique, qui n'est que 30 jours par mois, ça nous donnait exactement 3 ans et demi. Amen. Il continue de faire voilà. Et ici, le sixième sceau est ouvert. Et ils disent, eh bien, c'est mystérieux ça. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Il dit, en voici le secret. Les prophètes. Amen. Oh, les prophètes, visiblement comme ça, on ne les a pas vus. Mais nous avons déjà vu les retours de la nuée. Ce qui prouve que le temple est déjà ouvert pour les servir dans le millénium. Alors, où sont les deux témoins? Sûrement qu'ils ont été incarnés quelque part. Voilà pourquoi les frères m'ont dit que voilà leur ministère représenté de nouveau ici avec nous. Amen. Il dit, la Bible là dit ici, ils peuvent l'ouvrir, ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Et ils font la même chose que ce qu'ils ont déjà fait. Amen. Parce qu'ils savent comment faire. Amen. Gloire. Quand j'ai vu cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise et je me suis mis à faire des 100 pas dans la pièce. Amen. J'ai songé. Il dit, j'ai songé, Seigneur, comme je te remercie, Père Céleste. Peut-être que le frère lui aussi pensait qu'il y aura deux témoins qui devaient venir. Mais lorsqu'il a vu ça, il s'est levé dans son bureau et commence à faire des 100 pas. C'est-à-dire qu'il est en train de jubiler, n'est-ce pas? Le frère Madame continue dans la progression. Et le voici avec une commission reçue de Dieu, de frapper la terre de tout ce qu'il voudra, oh là là, de fermer les cieux. Et il le fait, qu'est-ce qui se passe? Il se prépare à faire sortir les 144 000. OK? Pour les racheter. Écoutez, ceux du livre de la rédemption. Il s'est préparé, n'est-ce pas, pour faire sortir les 144 000. Parce que les 144 000 sont appelés dans la dernière moitié de la semaine. Et quand ils arrivent au retour de la nuit, ils vont rencontrer Christ. Amen. Comme nous avons vu, comme le frère Branham a parlé dans le livre des exposés, à la page 35, il dit, les dieux qui viennent, amen, le roi qui vient, le tout en tout vient. Il dit maintenant que cette chose-là amènera à Apocalypse chapitre 11. Et si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir que le frère Branham a pris Genèse 45. Et Genèse 45, c'est Joseph qui rencontre ses frères. Amen. Il dit que pour les racheter, ceux du livre de la rédemption. Oh, le livre de la rédemption, c'est déjà la nuée qui est descendue. Oh, la nuée ne pouvait pas descendre avant la perte des 144 000. C'est dans le bon. La nuée ne pouvait pas descendre avant la fin de la 70e semaine. Parce que c'est la perte des 144 000 qui clôture la 70e semaine. Et quand la 70e semaine est clôturée, toutes les dispensations sont arrivées carrément à la fin. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons partagé dans les 4 mystères. Nous avons dit que les 4 mystères, c'est l'église des Juifs et des Gentils qui forment un seul corps. C'est là où nous avons parlé du croisement de deux pyramides, l'autre qui descendait et l'autre qui montait. C'est-à-dire que la dispensation des Gentils et des Juifs ensemble. Et cela s'accomplit après l'accomplissement de la 70e semaine. Voilà pourquoi les autres, il y a beaucoup de gens qui décident. La pyramide, à la pierre de fait, ils mettent l'étoile de David. Amen. Et lorsque les Juifs sont rentrés là-bas, voilà pourquoi il y avait l'étoile de David qui flottait. Et cette étoile-là, c'était le croisement de deux dispensations. C'était à la fin. Or, lorsque Israël est une nation, cela finit toutes les dispensations. Alors, il continue. Et c'est sous le sceau de la rédemption, dans le sixième sceau. Et voilà, mon cher ami, voilà ce sixième sceau.
qui avait été si mystérieux, le sceau de la rédemption, pour les Juifs, c'était le sixième sceau. Parce que le septième sceau, en principe, il n'y en a que six. Parce que le septième sceau, c'était l'enveloppe. C'est ce que le frère Benoît nous avait dit, non? On enveloppait ça comme ça. N'est-ce pas? Premier sceau, deuxième sceau, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et on prend maintenant le sixième sceau. Oh pardon, le septième sceau. On parle du septième sceau maintenant. Maintenant, pour ouvrir le premier sceau, amen, il fallait d'abord ouvrir le septième. Vous comprenez? Parce que voilà pourquoi le frère Benoît, avant l'ouverture du sceau, il fallait d'abord qu'il y ait la descente de la nuée. Parce que la descente de la nuée, c'était le septième sceau qui enveloppait tous les mystères. Alors vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans les dessins qui disent que le premier sceau est ouvert, mais le septième sceau passe encore. C'est impossible, frère. Le frère Benoît a illustré ça avec des papiers. C'était trop clair même que le septième sceau c'était l'enveloppe. Or, quand le septième sceau s'ouvre comme ça, ça révèle tous les mystères. Et les mystères révélés, ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Parce que du premier au troisième sceau, c'était les anges de l'Église. Les martyrs, les anges d'église, l'âge de fer, Smyrne, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de Pergame. Ok? Et le cinquième sont les hommes sur l'autel. Frère Madame dit que ce sont les hommes qui ont été martyrisés au temps de Mussolini, des Tilers, ce sont des choses passées. Amen. Et le sixième sceau, c'était la tribulation. Ça devait arriver. Les gens disent que non, ils vont fermer les églises, tout ça. On va fermer cette église, c'est mon église. C'est une salle qui est louée. S'ils viennent fermer, s'ils auront le problème avec Peter. Amen. S'ils disent qu'ils vont fermer les églises, ils vont faire des saints des entrepôts. Mais nous n'avons pas tous des bâtiments. Amen. Nous louons des salles. Ils ne peuvent pas fermer la salle des pitas. Ça, c'est le comité saint. Amen. Mais quelle église qu'ils vont fermer? Amen. Ça, c'est du passé. Amen. Ça, c'est du passé. N'oubliez pas que le frère Branham, quand il prêchait aux deux vignes. Amen. Il peut dire que, oh frère, nous attendons Jésus, quand il reviendra, Jésus reviendra. Mais en même temps, il nous dit que pour reconnaître Jésus-Christ, comment est-ce que vous allez le reconnaître? Par la cicatrice de clou, il dit non. Par son visage, non. Comment? Quand il va commencer à faire la même chose qu'il avait fait quand il était sur la terre. En ce moment-là, ça sert à rien. Voilà comment on reconnaît le Messie. Amen. Alors nous voyons que dans les trois ennemis, que les deux témoins ont ouvert les sixièmes sceaux. Donc c'est déjà dépassé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous dit que, le passage que j'ai lu. La page du livre, voilà. Il dit, pour les racheter, donc c'est dans le message 44 000, ceux du livre de la rédemption, et c'est sous les sceau de la rédemption dans les sixièmes sceaux. Ok? Alors que nous, aujourd'hui, nous voyons que la 70e semaine de l'année est accomplie. Pourquoi? Parce que nous avons vu les retours du livre. Et le retour du livre, c'est ce que Frère Branham a dit. Il revient avec un cheval blanc. Maintenant, prenons à pourquoi c'est le mystère. La Bible dit ceci. Puis je vis dans le ciel ouvert, et voici paraît un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il juge. Alors pour qu'il puisse juger, il doit être juge. Comme nous sommes ici, moi je ne peux pas aller dans un tribunal comme ça. Alors je m'assois et je dis que non, je vais commencer à juger. Je dois être un juge. Je dois amener mes diplômes et prouver mes capacités comme en tant que juge. Amen. Alors, ici, on nous parle d'un juge qui est venu. Or, le frère Benoît nous a présenté la nuée comme étant le juge suprême qui est descendu pour les jugements, avec une perruque blanche. On dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc, c'était déjà un Christ qui est couronné. Nous avons vu dans une prédication, si le frère Benoît m'a dit que dans la nuée, c'est Christ qui est descendu avec son épée. Il dit, c'est Jésus-Christ couronné qui était descendu. Or, la couronne de Christ, c'est son épouse. C'est ça qu'on avait dit. Que Martin, quand Martin l'avait vu, le diable dit, adore-moi, je suis Jésus-Christ. Et que Martin les regarde comme ça, les écritures qu'on a déclarées dans sa tête, il dit que, ah, toi Christ avec une couronne. Il dit, non. Christ sera couronné par son épouse. Amen.
Amen. Il dit, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. Mais ici, il a dit, ouais, le frère Branham dit, Seigneur Jésus couronné. Or, quand il est couronné, c'est son épouse qui est une couronne pour lui. Voilà pourquoi ici, on dit que sur sa tête, plusieurs derrière, parce que nous sommes les joyeux de sa couronne. Amen. Il dit, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est à l'ouverture de la parole que ceci arrive. 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fer blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. L'épée aiguë, ce n'est rien d'autre que la parole. Amen. Amen. Pour frapper les nations, il pétera avec une verge de fer et il foulera de la tige du fer de la date colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tout ça, c'est la troisième venue. Maintenant, il y avait un monsieur qui était confus dans sa tête. Il se demandait, mais qui est un prophète envoyé par Dieu dans cet âge? Alors, il voit un monsieur comme ça, ce monsieur-là lui dit que non, c'est moi le prophète de l'âge. Il dit que, ah, mais toi tu parles, tu dis que tu es le prophète de l'âge, mais un frère là-bas m'a dit que c'est William Branham qui est le prophète de l'âge. Alors, il a résolu, il dit que non, il faut que j'aille voir William Branham pour lui demander. Le monsieur est parti voir le frère Branham. Avant même d'aller voir le frère Branham, il voit un songe. Dans son songe, il voit un cheval blanc en train de venir, un grand cheval blanc. C'est dans la prédication, et tu ne le sais pas. Quand il vient comme ça, après il voit encore le monsieur là qui lui avait dit qu'il était prophète, venir avec un petit cheval mélangé de noir et de blanc. Alors quand il est venu là, maintenant le monsieur là cherchait à conduire le cheval de frère Branham. Maintenant, quand il a vu ça dans son sort, il dit qu'il faut que j'aille voir le frère Branham. Il est parti chez frère Branham. Il dit, frère Branham, la chose qui m'a amené chez toi, c'est parce que je me posais des questions, qui est réellement le prophète de cet âge? Il dit, mais le monsieur là m'a dit que c'était lui. Le frère Branham dit que moi, je ne me connais pas dans ces rayons-là. Amen. Amen. Le frère Branham lui disait qu'il n'était pas prophète. Parce qu'un prophète ne te le dira jamais. Tu dois le découvrir toi-même. Il dit, je ne me connais pas dans ces rayons-là. Alors, il dit que non, frère, voilà, j'ai un songe. Dans mon songe, le monsieur venait avec un cheval. Mais toi aussi, tu venais avec un cheval, mais ton cheval était grand et blanc. Et ce monsieur avec son petit cheval, il essayait maintenant de bousculer ton cheval. Il dit, ton cheval n'a même pas bougé. Il dit, et le monsieur, comme il ne pouvait pas le bouger, il a pris son cheval et commençait à partir. Et quand il partait, j'ai vu que son cheval était signé son nom, le nom qu'il m'avait dit. Alors, il dit, frère Branham, j'avais compris que c'était toi le prophète de l'âge. Maintenant, écoutez ce que le frère Branham dit. Dans ses songes. Il dit ceci. Il a dit, j'ai regardé vers le haut du rocher comme ça, et j'ai regardé plus loin au-dessus des nuages. Écoutez. Et tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est en ouest en forme de pyramide. Un rocher, c'est la révélation. Amen. Pointé comme ça, je suis revenu vers l'est. Il a dit, et vous étiez là sur un cheval comme je n'avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc. Amen. Avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef ailier. Avec tout ce que portent les Indiens, il a dit, avec un pectoral de bracelet au bras. Pectoral, nous connaissons. C'est ce que Aaron mettait ici, le Rumtumim. Il mettait ça sur sa poitrine pour juger. Or, ici, on voit un cheval blanc et on voit aussi un pectoral. Ça devait montrer le jugement. Et dans ce jugement-là, nous voyons le monsieur qui arrive sur le cheval, c'est le frère Branham. Amen. Bon, ceci n'arrive pas dans les âges d'église. Ça n'arrive pas dans les trois ans et demi. Ça arrive après. Et les choses qui pendaient tout autour comme ça, il a dit, vous aviez les mains en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval s'était né là comme un cheval militaire. Il marchait d'une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Et il a dit, vous avez
vous avez tiré sur les rênes et vous êtes parti vers l'ouest. Et à ce moment-là, qu'il m'a dit, j'ai vu l'homme qui se disait prophète, vous savez, il a dit, il est arrivé monté sur un cheval noir mêlé de blanc. Amen. Et par une parole mélangée. Et il a dit, il est arrivé derrière ce grand cheval, il a dit, c'était loin au-dessus des nuages. Il a dit, et le cheval n'était pas plus large que ça. Et il a dit, ce cheval, il a dit, les vents gonflaient les plumes et tout sur votre costume. Et il a dit, et la crinière et la queue de votre cheval flottait au vent. Vous savez la crinière, c'est ce que le cheval a ici, là, ces poils-là. Et ce qu'il a dans sa queue, c'est ça qu'on appelle la crinière. Il a dit, un grand maître, un grand cheval blanc qui marchait très droit. Et il a dit, ce type est arrivé derrière vous. Il semblait venir du Canada. Et cet homme habite au Canada. Il a dit, il est venu là, qu'il disait, et il essayait de faire tomber votre grand cheval avec son petit cheval. Il est retourné pour faire frapper sa troupe contre là. Il a dit, le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Il a dit, alors, tout d'un coup, il a dit, vous vous êtes retourné. Il a dit, c'était la troisième fois que vous parliez, mais c'était la deuxième fois que vous disiez, j'ai parcouru. Amen. J'ai parcouru encore ces sentiers. Vous ne parliez plus comme avant. Là, vous donnez un ordre. Il ne parlait plus comme avant, il donnait un ordre. Après, il continue. Un ordre. Il a dit, vous vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom. Et vous avez dit, descends de là. Tu sais pourtant bien qu'aucun homme ne peut parcourir ce chemin si ce n'est pas Dieu qui l'a établi pour ça. Descends de là. Et il a dit, l'homme a fait demi-tour et il a dit, cet homme m'a déjà écrit des lettres. Et il a dit, sur les hanches de son cheval, c'est noir mêlé de gris. Il a dit, sur les hanches de son cheval, son nom était écrit. Sa signature exactement comme sur ses lettres. Et il est parti vers le nord. Donc, ce monsieur-là voulait se faire passer comme étant un prophète. Mais par les songes, Dieu a montré ce monsieur-là. Amen. Amen. Pour finir ça, il a dit, alors vous avez conduit votre chemin, ce grand cheval s'est retourné. Aussi loin vers l'ouest que vous le pouviez. Il a dit, vous étiez là et vous avez levé les mains comme ça. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, frère Branham, il m'a dit, frère Branham, le voir. Ces cheval de moulin, la coiffure de guerre, tout ça, qu'il disait, et ses pectorales et tout qui brillait. Il a dit, vous avez gardé les mains en l'air un moment. Puis vous avez encore regardé en bas. Vous avez repris les rênes et vous avez dit, j'ai parcouru une fois encore ces sentiers. Il a dit, la terre toute entière a été secouée dans tous les sens. Tous les sens comme ça. Et il a dit, il n'y avait plus de vie en moi. Je me suis effalé au pied du rocher. Alors je me suis réveillé. Il a dit, qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Qu'est-ce que le frère Branham dit? J'ai dit, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais ici, dans cette prédication, le frère Branham est en train de nous montrer ce qui s'était passé. Or, Jérôme avait dit que vos fils et vos filles auront des songes. Et ceci ne fait que confirmer la dispensation. Ici, on voit un cheval, un grand cheval blanc. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que le frère Branham était en train de raconter cette histoire dans une prédication qu'il a intitulée « Et tu ne le sais pas ». Amen. Amen. Et après ça, il y avait aussi les songes de frère Roy Robertson. Le frère Roy Robertson, il voit le frère Branham, il voit comme ils étaient assis sur une longue table comme ça. Et dans cette longue table, il y avait un monsieur qui était assis au bout de la table. Il dit, c'était le frère Branham. Et après quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, une nuée est descendue pour prendre le frère Branham. Quand elle a pris le frère Branham, le frère Robertson commençait à pleurer. Il dit, ramenez le frère Branham, ramenez-le. Il dit, frère Branham, tu es parti, j'ai pleuré, je te cherchais, tu étais parti. Il dit, et après un instant, on t'a ramené maintenant dans la même place,
Il dit, mais cette fois-là, je ne pouvais rien voir que le blanc. Ton visage était en train de rayonner. Rappelez-vous de Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne, quand il descendait, il devait mettre un voile devant sa face parce que son visage rayonnait. Amen. Et dans ce songe-là, il voit le frère maintenant après la descente de la nuée. Et tout ceci avait eu lieu avant la descente de la nuée. Écoutez les songes de frère Robinson. Il y avait plusieurs songes, même dans la messieurs Kennedy. Il y avait les songes de la sœur Stéphie. Il y avait les songes de frère Barnet. Il y avait plusieurs songes. Amen. Il dit ceci. À peu près au moment, je suis en train de résumer. À peu près au même moment, quand le verset est venu, il a dit, frère Barnet, vous vous souvenez, avant la première fois où vous avez quitté l'église, je vous avais vu assis, c'était en Palestine, c'était comme en Palestine. On était tous là, les conseils d'administration étaient tous assis, comme autour de la table du souper du Seigneur. Et vous parlez, il n'était pas sûr de savoir de quoi vous parlez avant. Il a dit, une nuée blanche est descendue vous prendre et vous a emporté. Combien se souvient du songe de frère Roy? Il a dit, cette nuée blanche vous a emporté et il a dit, vous n'étiez plus là. Je parcourais le lit à pied en criant et en pleurant. Amen. Il continue. Et quand je suis revenu ici, il était là avec son bras infirme. Parce que le frère Robertson était un ancien militaire. Il était infirme parce qu'on avait imputé un bras. Comme il était, j'étais en train de lire ça. Il a lâché son râteau et il s'est mis à pleurer quand il m'a vu arriver. Comme je ne l'avais pas vu avant, il dit qu'il m'a raconté ce songe. Il était en train de ratisser. J'ai dit, êtes-vous parti? Il disait, je parcourais les rues partout en essayant de vous trouver. Je n'arrivais pas à vous trouver nulle part. J'ai crié, oh frère, madame, ne partez pas. Il a dit, une nuée blanche est venue vous prendre. Et elle vous a apporté loin de nous, vers l'ouest. C'était avant la pyramide, ou quoi que ce soit. Vous voyez? Il a dit, elle vous a apporté vers l'ouest. Et moi, je pleurais et en parcourant les rues. Il a dit, après un moment, je suis allé m'asseoir à la table. Et quand j'ai levé les yeux et que j'ai regardé au bout de la table, il a dit, je ne pouvais pas voir plus que ça de vous. C'était blanc comme la neige. Il a dit, vous étiez là. Et il a dit, vous parliez avec autorité. C'était tout à fait clair. Avant, personne ne comprenait. Mais après, c'était clair. C'est avant l'ouverture de saut. C'est pourquoi il faut me dire qu'à l'ouverture de saut, nous comprenons l'enseignement du serpent. Nous comprenons toutes les prédications qui ont été prêchées avant. C'est pourquoi il dit qu'avant que la nuit puisse vous dérober, personne ne comprenait ce que vous disiez. Il dit, mais lorsque vous êtes retourné, quand tu parlais, c'était clair, tout le monde pouvait te comprendre. Tout le monde, les élus, bien sûr. Amen. Il dit, vous parlez avec autorité, c'était tout à fait clair. Il a dit, chaque homme comprenait exactement ce que vous disiez. Oh, mon frère, ma soeur, chacun de vous en est conscient. Et je suis sûr que, et il dit, je sais ce que ça signifie. Un dernier songe. Le songe de frère Joël Jackson. Mais frère, on continue dans la même direction. Le lendemain matin, Joël Jackson qui avait eu les songes de la pyramide. Vous savez, le songe de la pyramide, c'était que le frère Joël Jackson avait vu la pyramide, il voit le frère Madame qui coupe la tête de la pyramide. Et il s'est mis à interpréter les pierres qui étaient là. Dans ces pierres-là, il n'y avait aucune lumière qui les avait frappées. La lumière, c'est une connaissance. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais connu ce qui était dans la pierre de fête. C'est ce que le frère Gilles Jackson avait vu. Alors ici, c'est notre question. J'ai dit, quand j'ai parlé avec Moïse, j'ai dit, vous vous souvenez de ça? Il m'a appelé un mois ou deux avant. Il avait eu un songe qui brûlait de me raconter. Et j'ai dit à Billy, il avait une vingtaine là devant. Il m'a dit, il y a Gino Jackson. Là, il dit qu'il faut qu'il te raconte ce songe. Je lui ai dit, faites-le entre 5 minutes. Il est entré avec sa femme comme témoin. Il disait, il m'a dit, j'ai rêvé, frère Branham, que j'étais allé faire une balade en voiture avec ma femme. Et il m'a dit, j'ai regardé vers l'est et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un point comme une de ces soucoupes volantes. Ok? Vous voyez, le monde ne sait pas ce que c'est. Vous savez,
Vous savez cela. Il dit, nous, on sait ce que c'est. Vous connaissez ce groupe, voilà. Parce que quand on a dit, nous, on sait ce que c'est. Il dit, nous, on sait. Il dit, qu'est-ce que sont des anges enquêteurs de jugement? C'est la nuit. Amen. On parle de ce groupe, voilà, de la naissance, c'est la nuit qui est descendue. Ce sont les anges enquêteurs de jugement. Il dit, vous voyez, il dit, et au Pentagone et tout, ils le voient. Descendre et leur intelligence, ils peuvent le faire, par exemple, faire claquer ses doigts. Il est parti comme un éclair et ils ne sont plus là. Ils échappent à tout ce qu'ils ont. Vous voyez, ils ne savent pas ce que c'est. Ils peuvent bien en penser ce qu'ils veulent, appeler ça des secours volants ou n'importe quoi. Ils ne savent pas, vous voyez. Il a dit, je le voyais venir et je l'observais. Et voilà, c'est un homme à cheval. Voilà. Il avait cette secoupe volante, c'était la direction de la nuit. Mais dans les forces de Jules Jackson, il voit un homme à cheval. Et il a dit, il arrivait à la vitesse de l'éclair. Il a dit, je voyais, il allait atterrir devant moi. Alors j'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. Il a dit, c'est à ce moment-là, la voiture, il dit, les chevaux étaient sur la route. Un grand cheval militaire blanc. Qui marchait d'une allée très noble. Femme enfin, a dit que c'est la parole de Dieu qui marche d'une allée très noble. Il continue. Il a dit, il y avait un homme assis dessus. Il a dit, il portait une sorte de costume de Far West. Ce n'était pas un cowboy, mais il a dit qu'il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie à cheval de l'Ouest. Amen. Et quelque chose comme ça, il dit, voyez, toujours l'autorité du chef à l'Ouest. Les Indiens au-dessus des Indiens, gendarmes à cheval au-dessus. Vous voyez, il a dit, cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête et il regardait de côté. Il a dit, quand il s'est tourné, il a dit, c'était vous, frère. Voilà. Il a dit, vous ne parlez pas comme avant. Vous avez dit, Junior, je l'ai appelé trois fois et j'ai dit, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et il a dit, alors, vous avez repris les rênes du cheval. Vous avez fait à peu près trois foulées et vous êtes parti vers le ciel. Vous n'étiez plus là. Vous étiez parti vers l'ouest. Amen. Bon, tous ces songes ne parlent rien d'autre que du retour d'un cheval blanc. Or, le cheval blanc là, c'est ce qu'on dit là au chapitre 19. Et quand il descend, si vous poursuivez là-bas, le frère Jérôme Jackson dit que, frère, quand tu étais parti, après tu m'avais envoyé un petit cheval. Le petit cheval qui est venu, le frère Branham dit que, le frère Jean Jackson dit que c'était exactement le même cheval que tu avais, mais cette fois-ci tu m'avais envoyé un cheval qui était plus petit que ce que tu avais. Donc le cheval des frères Branham était grand et le cheval de Jean était petit. Ne sois pas comme frère Branham, frère. Amen. C'est le même message, mais le frère Branham est celui qui nous a apporté ce message. Et nous aussi nous avons pris nos petits chevaux, et c'est ce qui prouve que d'après chapitre 19, Christ qui est sur un grand cheval, et nous aussi nous sommes venus avec nos petits chevaux. Nous étions en train de le suivre. Amen. Et cette venue-là d'après chapitre 19 n'est rien d'autre que l'onction du temple de Millenium. Amen. Ce n'est rien d'autre que le retour de la pierre de fête qui est venue pour briser la statue du roi. Ce n'est rien d'autre que le retour du juge suprême. Parce que nous avons dit dans les jugements que ce sont les saints qui jugeront la terre. Alors, comme les saints, c'est les saints qui jugeront la terre, ils ne peuvent pas venir seuls, ils doivent venir avec ses saints pour le jugement. Donc quand ils viennent comme étant juge suprême, ils doivent venir avec ses saints pour le jugement. Parce que d'après les Écritures, ce n'est pas nous qui jugent, ce sont les saints. Ils doivent venir avec ses saints. Amen. Alors, pour la conclusion, nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je suis en train de finir. Il est presque 13 heures. La Bible dit ceci. Que personne ne subisse d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, vous le connaissez. N'est-ce pas? Ce n'est pas. Amen. L'homme du péché,
a déjà apparu. Le frère Branham dit qu'il était parti là-bas, il a déjà vu sa triple couronne, qui lui donnait autorité sur le ciel, le purgatoire et l'enfer. Donc c'est-à-dire que lui n'est pas avec la possibilité de prendre quelqu'un depuis l'enfer pour l'emmener au ciel. Amen. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclama lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité est agi déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore et disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantissera par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Nous voyons que l'impie est déjà révélé. Or, si l'impie est déjà révélé, il a déjà pris un corps, c'est-à-dire que Christ aussi devait déjà prendre un corps. C'est-à-dire que cet impie a déjà été mis à nu. Parce que l'ouverture de la parole amène de voir aussi la grande prostituée. Apocalypse chapitre 17. Or, quand nous en arrivons à ça, cela veut dire que tout ce que nous avions, comme ce que nous avons dit la semaine dernière, c'est déjà du passé. Amen. Amen. Pour conclure. Attends. Frère Branham dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu. Frère, y a-t-il une personne sur terre ailleurs qu'au Vatican qui fasse ça ou ça? Il dit, maintenant, on pourrait prendre ici dans le chapitre 3 et vous montrer que cet homme est assis sur une ville, dans une ville, et que cette ville se trouve sur cette colline. Et le nombre de la bête, c'est 666 ans, pour le son des gens. Amen. L'alphabet romain 666, c'est-à-dire Vicarius Filidei. Ce qui veut dire à la place du Fils de Dieu. Sur le trône des papes et son siège, il a une triple couronne. Et cette couronne, je l'ai vue dans mes yeux. Elle était plus loin de moi que ma mère de mon visage, comme ça. J'ai vu la tiare du pape là-bas, au Vatican, de mes yeux. J'étais là et je l'ai regardé pour être bien sûr de ce que j'avance. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ok? De tous les hommes pieux, c'est lui le plus saint d'entre tous. Il s'assied dans les temples de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur terre et tout ça. Vous savez certainement. Donc, quand nous voyons déjà l'apparition de cet homme, c'est-à-dire que la 70e semaine doit déjà avoir fait. Ou les âges de Christ doivent déjà arriver à sa fin. Parce que c'est la chose qui les retenait. L'impie. Or, le diable ne pouvait jamais être dévoilé avant la fin des âges de l'Église. Maintenant, regardez bien, au temps de la fin, pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir les 70 semaines de Daniel, Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi, il reste encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai. Il dit, et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Or, ça, c'est une fois que l'épouse est arrivée, elle ne verra plus cela. Or, le pape a déjà fait l'alliance avec le peuple juif. N'est-ce pas? Lorsqu'il est parti là-bas, il y a une éclipse. L'alliance a été rompue au milieu de la semaine. Or, quand le pape rend l'alliance là-bas, c'est là où maintenant il est dévoilé. Et la naissance de la nuée vient mettre à nu. C'est ça que je vous avais dit. Il avait changé le nom. Il a levé Vicarius Filidei. Il va mettre Dux Claret. Quand ils ont compté 666. Alors, elle me dit, frère madame, mais votre nom dans une autre langue aussi s'appelle 666. Frère madame dit, oui, bien sûr, mais je ne suis pas si sûr.
les sept collines. Amen. Donc, l'impie est déjà dévoilé. C'est-à-dire que c'était déjà la fin, même la fin de l'alliance. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est pour vous montrer que même l'alliance qui a été faite entre les Juifs et Rome a été déjà rompue. Amen. Parce que ça devait être rompu au milieu de la semaine. Écoutez maintenant la conclusion de frère. Il dit ceci. Ces 69 semaines ont correspondu parfaitement. Le départ des Juifs a correspondu parfaitement. L'âge de l'Église a correspondu parfaitement. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, l'âge de l'Église de l'Odyssée. La fin de celui-ci. Les messagers étoiles, ils ont tous prêché leur message. Il a été proclamé. Nous continuons simplement sur la lancée. Les Juifs rentrent depuis 40 ans. Ils sont dans leur patrie. Qu'est-ce qui doit arriver ensuite? La venue de la terre. Vous savez quoi? Nous en sommes là. À quel moment est-ce que ça arrive? C'est arrivé? Ça va arriver? Je ne sais pas. Mes frères, quant à moi, je veux être prêt. Je veux que mes vêtements soient entièrement prêts. Je continue. Maintenant, il ne nous reste plus que quelques petits instants. Et j'aimerais que vous écoutiez tranquillement là, un petit instant. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, ou 7 ans, l'Église est partie. C'est-à-dire qu'avant de commencer la 70e semaine d'année, si la guerre est partie, l'Église doit d'abord partir. Amen. Et ceci, ce n'est pas après chapitre 4, c'est après Apocalypse chapitre 4. Ok? Il dit ceci. Maintenant, écoutez, je cite de nouveau. Je récite. Pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume. Pendant que j'écrivais, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Le Christ est rejeté par sa propre Église. Le frère est en train de montrer déjà que les âges de Christ ont déjà rejeté Christ. Ok? Or, il dit aussi que avant de commencer la 70e semaine de Daniel, l'épouse devait d'abord être enlevée. Or, quand il dit déjà que l'Église a déjà rejeté Christ, cela veut simplement dire que l'enlèvement était déjà proche en ce moment-là. Il continue. L'étoile est ainsi, le message a été proclamé. Et Israël est dans son pays. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes à la fin. Maintenant, encore seulement une ou deux remarques. Maintenant, une déclaration saisissante. Si vous voulez la noter, écoutez, écoutez bien, je vous en prie. C'est la dernière remarque que je vais faire l'avant-dernière après celle-là. Je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter, une petite note dont je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant et écoutez bien. Je vais vous apporter quelque chose de saisissant dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Voyez, il n'y a même pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre le fin de cet âge, pardon, la fin de cet âge-ci et la venue de Christ. Ok? Il ne reste rien d'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas remarquable. Vous allez voir que c'est comme si c'est la même personne qui continue le travail. C'est comme si c'est la même personne qui est là. Parce qu'en ce moment-là, les gens s'attendaient que Jésus-Christ de Galilée reviendra. Mais le frère Valon dit qu'il n'y avait pas une lame de rasoir. Ça veut dire que c'est collé. Amen. Et ce qu'il y a, c'est qu'Israël est dans sa patrie. Est-ce qu'Israël est dans sa patrie? Ça nous le savons. Amen. Est-ce que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée? Amen. Est-ce que le message de cet âge de Pentecôte a été proclamé pour procéder ce que les gens les ramener à la bénédiction de la Pentecôte de l'origine? Amen. Là, c'est le frère qui pose des questions. Est-ce que ça a été la même chose pour tous les messagers qui sont venus au cours des âges? Amen. Est-ce que nation s'élève contre nation? Amen. Des pestes. Est-ce qu'il y a une famine dans le pays aujourd'hui? La véritable église qui fait des centaines de milliers de miles en voiture cherchant à...